Idem. Tu ferais mieux de te mêler de ce qui te regarde, Croze. Tu ferais beaucoup mieux. Ça me regarde après tout. Oui, pour Santa Barbara, le numéro d'une Angie ou Angela Dalton. Salut. Salut. Non, attends, je vais t'aider. Ben, où étais-tu passé? Il fallait que je passe au bureau. J'ai très mal dormi cette nuit. Je pensais sans arrêt à l'affaire McCormick quand je suis allé voir si je trouvais du nouveau. Et tu as trouvé quelque chose? Pas encore. Comment va Kelly? Il lui faudra quelque temps avant d'aller vraiment bien. Et toi, ça va? Ça va. J'ai appelé au bureau et tu n'étais pas là. Oui, parce qu'ensuite, je suis allé à l'hôpital. Et... enfin, je voulais juste faire un saut pour prendre des nouvelles de Chip. J'ai appris qu'il sortait aujourd'hui, Tori est arrivée, j'ai fini par les ramener chez elle et j'y suis resté quelques instants. Et pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Je n'avais pas l'intention de te cacher quoi que ce soit. Vraiment? Je me doutais que ça ne te plairait pas. Que tu l'aies caché ne me plaît pas. Ce n'est pas bien, Cruz. Nous devons tout nous dire. Je sais. D'ailleurs, j'ai appelé une fois et ça sonnait occupé. J'avais l'intention de rappeler, mais ça m'est sorti de la tête. Et... ce n'était pas intentionnel de ma part. Tu ne m'aurais rien dit si je ne te l'avais pas demandé, n'est-ce pas? Probablement pas. Il ne faut plus jamais faire ça. Il faut que tu me dises ce que tu penses et que je te dise ce que je pense. C'est essentiel pour que notre couple existe. Je sais, je te demande pardon, ça ne se reproduira plus.